Après la pluie, c'est le beau temps, nous dit un vieux dicton. Éliminé en demi-finale par l'handball club Eva Bouka, puis disqualifié lors du championnat provincial du Grand Katanga. Classé troisième au niveau urbain avec 21 points dans 12 matchs joués lors de la saison sportive 2020-2021. L'handball club Lupopo Messieurs était en assemblée extraordinaire élective dans la salle de fête du cercle privé du camp SNCC Maramba. Un accueil chaleureux a été réservé aux candidats présents pour la circonstance. Présent pour les assises, le président Kalonji de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, maître de la cérémonie. Après la lecture des différents rapports administratifs, techniques et médicaux, place à présent aux élections du nouveau comité. Au total, 4 candidats au poste de la présidence, première et deuxième vice-présidence, ensuite au niveau du secrétariat et de la trésorerie. Sans surprise, à l'unanimité, Didier Ngoy a été élu président de l'handball club Lupopo Messieurs avec un chiffre de 12 voix sur 12. Il sera secondé par deux vice-présidents, Kaleka et Eric Moké, et secrétaire Mwambai qui revient aux affaires avec un mandat de 3 saisons. Très heureux de la manière que les assises s'est déroulée, le président Didier Ngoy, ensemble avec son vice-président Eric Moké, nous livre leurs impressions. Qui tout est tout ma quoi que postuler, ni les appels, y a bandeau qui va être tout mia, y a aussi ma bar quoi besoin na musada et tout, je crois que soutenir équipe il est on a porté vraiment à cœur. Voilà un peu. Répondre au appel du la présidence. Tout à l'équipe, phase tout l'écoute, tout essayer ensemble na bandugu bote be kuapa, kutosha équipe pas le peigner, kutosha kubakia, kuchofesha, même dempa. Bien sûr avec la contribution de toute l'équipe qui est derrière moi, parce que seul nous ne pouvons rien faire. Lupopo, c'est une équipe de confirmation. Lupopo, c'est vraiment mon équipe. Alors, c'est pour cela que j'ai été motivé, ainsi que toute l'équipe, selon ce que le président vient de vous dire. Nous avons été motivés sérieusement pour que nous puissions porter notre équipe de handball Lupopo de l'endroit où nous l'avons trouvé, parce que Lupopo avait un ancien comité. Et ce comité-ci a pris fin aujourd'hui. Et nous disons merci à l'ancien comité de Lupopo. Et à nous aussi, on ne peut que nous encourager et encourager les présidents, tel qu'il vient de dire, on ne peut que quitter d'un pas vers un autre pas. Et pour l'honorable Shadrach, membre au sein du comité sportif de l'équipe de Chemino version handball, promet d'accompagner sportivement le nouveau comité. L'objectif que nous avions en tant qu'autorité, c'est d'accompagner l'équipe Lupopo. Comme le président vient de le dire, ensemble nous irons loin et seuls nous allons vite. J'ai dit merci au président sortant et merci au président élu qui est M. Didier Ngoy. A déclaré le président Didier Ngoy comme étant président, mais moi au nom de Lupopo, je le déclare aussi président, je lui donne ça. Esprit Douala. Esprit Douala. 3 fois. Bonne chance donc à l'équipe de Lupopo Handball Club, messieurs.